MrBeast m'a envoyé 1 million d'euros pour créer son propre restaurant MrBeast Burger dans Fortnite. Et Lenovo, en face de moi, lui, il a reçu qu'un seul euro. Ah ouais, mais je peux t'assurer qu'avec mon seul petit euro, je vais construire un bien meilleur restaurant que le tien. Je vais avoir aucune limite dans ce bug battle. En tout cas, restez bien jusqu'au bout de la vidéo pour savoir qui va créer le meilleur des restaurants. Je sais pas comment tu vas faire avec un euro, mais bonne chance à toi, mec. C'est parti, en direction, fouiller les poubelles. Fouiller les poubelles, mec. Oh, franchement, ça me fait pitié. Nobo, tu me fais vraiment de la peine. Est-ce que tu veux pas un don? J'ai absolument pas besoin de don. Moi, avec un euro, je vais m'en sortir. En plus, avec ta voix de canard et trippée, ça fait vraiment pas peur. Comment ça, ma voix de canard et trippée? Effectivement, là, je commence ma vidéo, les gars. J'ai la voix cassée, je ne sais pas ce qui se passe. Ok, regardez juste ici, j'ai déjà directement des préfabriqués de restaurants pour créer le meilleur des restaurants, MrBeast, à ma façon. Je vais avoir besoin aussi de panneaux publicitaires que je vais mettre juste ici. Oh là là, c'est magnifique. Pour ce restaurant, on va déjà commencer par faire la structure du restaurant juste ici. Pour cette construction, je vais essayer de m'appliquer un maximum. Je ne dois pas décevoir MrBeast qui veut voir son restaurant sur Fortnite. Par contre, Nobo, tu vas faire honte à MrBeast carrément avec ton restaurant à 1€, c'est sûr et certain, mec. Je serais toi, je ne ferais absolument pas le malin, dans le sens que nous avons déjà un cinéma au niveau de notre restaurant à 1€. Quoi? Tu me spoil déjà. Et vous savez quoi? Restez bien jusqu'au bout de la vidéo, les gars, parce qu'à la fin, on ira voir le restaurant de Nobo en question. Clairement, ça risque d'être vraiment ridicule. C'est parti pour faire le sol, les amis. Regardez, j'arrive à construire plusieurs sols en même temps. Oh là là, la rapidité est présente, mec. Clairement, en une demi-heure, je vais avoir fini. Et même avant toi, je pense bien. Mec, c'est impossible que t'aies fini avant moi. Je vais carrément t'écraser. Mes livraisons arrivent très très vite avec... Mais du coup, ça arrive en charrette, hein. Mais en tout cas, ça arrive. Du coup, tu prévois de faire un système de livraison pour ton restaurant? Bien sûr, oui, bien sûr. Des livraisons en charrette carrément, parce que mais du coup, on n'a pas beaucoup d'argent. Du coup, ce sera en charrette, hein, bon. Les amis, regardez à quoi ressemble ma structure pour le moment. Il manque le toit et on sera déjà bien avancé au niveau de l'extérieur du MrBeast Burger Restaurant. Eh oui, les gars, je prends l'accent américain. Juste ici, je prévois un emplacement pour faire une zone extérieure pour justement profiter de la magnifique vue sur le lac juste là. C'est parti pour faire la première pose du toit. Oh, en vrai, j'adore le style. J'ai même envie de faire une terrasse sur le toit. C'est clairement le restaurant de MrBeast. En tout cas, c'est sûr, il va y avoir un maximum de personnes qui vont se réfugier dans ce restaurant pour pouvoir manger les magnifiques burgers de MrBeast. Du coup, un étage pour faire plus de place, pour plus de tables. Clairement, ça, c'est obligatoire. Et encore une fois, regardez, on a une magnifique vue sur le lac juste là. Et pour la sécurité des clients, je me dois de mettre des barrières. Ça se passe, Nobo, pour toi, de ton côté, là, avec tes 1€. Ouais, ça se passe, c'est clairement en train de prendre forme, je peux te l'assurer. Est-ce que t'as mis au moins des sécurités dans ton restaurant? Absolument pas, chez le mien c'est pas important du tout, gros. Oh, t'es sérieux? Mais clairement tu fais honte à MrBeast, carrément il va voir ton restaurant, il va te cracher dessus, mec. Donc il essaie de me cracher dessus, il va carrément être super fan de son petit restaurant. Surtout que j'y ai introduit une truite, je n'en dis pas plus. Quoi? Ah oui, il y a un hamburger à la truite de mon côté. Un hamburger à la truite, mais mec, tout le monde sait que les MrBeast Burger c'est à la viande de bœuf. Ah mais gros, mais moi j'ai inventé le mien, la viande de truite. Oh là là, les gars, l'extérieur de mon restaurant commence à être terminé. Regardez-moi ça, je termine de poser les barrières et... Oh, wow, la structure est juste géniale. Moi, je vois bien un petit panneau juste ici avec un grand MrBeast Burger. Déjà, on va rajouter quelque chose qui va faire énormément d'effets et qui va rendre le truc blindé mieux. Oh là 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 là, Monsieur Burger est juste là, ça rentre en stylé. Bah oui, les gars, j'ai tellement d'argent que je peux investir dans toutes les constructions que je veux. Toi, Nobo, ça se passe de ton côté ou pas? Moi, ça se passe, c'est carrément en train de prendre forme, c'est vraiment magnifique. Je vais même directement annoncer à l'entrée du restaurant ce qu'on peut proposer comme repas. Du coup, on a les frites de MrBeast juste là et avec le MrBeast Burger juste ici. Oh, oh, oh. Là, je vais construire le MrBeast Burger. Le texte, il sera tout au-dessus du restaurant. Pour cela, il me faut du B, du A, du E, du R, du M, du U et il me semble du G. Je copie ces lettres et c'est parti pour faire l'enseigne. Ok les gars, regardez, je viens de terminer l'enseigne. Est-ce que ça ressemble au logo de MrBeast Burger? Oui ou non? À vous de me dire dans l'espace commentaire. Si c'est le cas, mettez un énorme pouce bleu comme mon pull. Ça me ferait vraiment énormément plaisir. Ok, je pense que l'extérieur pour le moment, c'est bientôt fini. Il me reste plus qu'à faire l'espace vert juste ici et la terrasse en haut avec toutes
tes tables, etc. Et après, on passera à l'intérieur avec, bien sûr, le plus important. Nobo, sache que clairement, mon restaurant, ça va être le meilleur jamais créé sur Fortnite Battle Royale. Je vais réserver un maximum de surprises pour mes clients qui rentreront dans le restaurant de Mr Beast. Moi, crois-moi bien que là, on est en train d'arriver à la fin. Mes travailleurs sont en train de terminer rapidement le petit restaurant. Bon, honnêtement, Nobo, on rigole, mais c'est de bonne guerre, on va pas se mentir, hein. Ah, mais clairement, c'est une bonne guerre. On n'est pas ici pour se disputer, mais moi, je suis quand même là pour gagner malgré tout, hein. T'as jamais gagné contre moi, mec. J'ai toujours été meilleur que toi dans les Bull Battle. Bah, écoute, aujourd'hui, c'est là que va finir ton règne, parce que c'est bien aujourd'hui que je vais remporter le challenge. Vous êtes plutôt team quoi, les gars? Team Nobo ou team Jean-Fils? N'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires. Du coup, c'est parti, les gars, pour positionner les chaises à l'extérieur. Bon, il y a des parasols. Est-ce que je vais les enlever? Ouais, je pense que je vais enlever les parasols. Ça fait un peu trop. Regardez-moi cet extérieur de verdure. C'est juste trop beau. Ah oui, bien sûr, il faut que je rajoute des arbres. Let's go, les gars, l'extérieur de mon restaurant vient d'être finalisé. Bien sûr, il reste le plus important, l'intérieur. Toi, Nobo, j'imagine que t'as déjà commencé l'intérieur. Moi, j'arrive déjà sous la fin. Moi, tout est déjà prêt. On est déjà prêt à servir les clients. En même temps, t'as déjà tout dépensé ton argent. 1 euro, c'est vite dépensé. Ah oui, c'est vrai. Il est très très vite parti, mais c'est pas grave. J'ai réussi à quand même trouver des bons matériaux, hein. Je vais pas te mentir. Je pense, Nobo, t'es vraiment pas prêt pour le reste. L'une des choses les plus importantes et qui doit être faite dans le plus bref délai, les gars, c'est tout simplement la caisse. Mais attention, Mr Beast, comme vous le savez, c'est un homme généreux, un youtubeur très généreux. Du coup, je vais enlever toutes les caisses enregistreuses. Pourquoi? Parce que la spécificité de mon restaurant par rapport à celui de Nobo, je pense bien, c'est que tous les burgers que je vais offrir seront gratuits. En quoi? Tes hamburgers, ils sont gratuits? À quel moment ils sont gratuits? Bah oui, Mr Beast, il m'a donné 1 million d'euros. Donc, gros, t'inquiète, moi je les mets gratuits, les burgers. Bah gros, moi mon menu, il a 172 euros. Quoi? Mais t'es clairement un arnaqueur en fait, Nobo. Bon, les gars, j'ai même pas encore vu le restaurant Nobo. Je vais péter un cap quand je vais le voir. Regardez-moi ça, les gars. La cuisine vient d'être tout juste réalisée. On rentre. Oh, regardez, c'est ici que les burgers de Mr Beast vont être cuisinés. Oh, les gars, j'ai tellement hâte d'ouvrir le restaurant aux clients. C'est sûr, quand ils vont voir qu'il y a un restaurant ouvert qui donne des burgers gratuits, clairement, j'aurai full monde et Nobo, il aura 0 client. Là, ce que je vais faire, les gars, je vais mettre un maximum de place. Comme je vous l'ai dit, comme ce restaurant, c'est sûr, il va fonctionner. Il faut un maximum de fauteuils pour qu'il s'installe. Bon, la chose très importante, les gars, je vais mettre des lumières au-dessus, comme ça on va éclairer tout le restaurant. Ah, c'est déjà mieux, c'est quand même beaucoup plus appréciable. C'est bien tout ça, mais c'est encore très vite, les gars, et les 30 minutes arrivent proches. Il faut vraiment que je me grouille un maximum. Regardez, j'ai rempli avec un maximum de tables. Oh là 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 là, ça rend vraiment trop bien. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est rajouter des activités, parce que vous le savez, Mr Beast, dans ses vidéos, il fait des choses pour faire gagner de l'argent à ses abonnés. Regardez ce que j'ai juste ici, je vais poser ça juste là, les gars. C'est un cercle. Pourquoi un cercle rouge? Tout simplement parce que Mr Beast, il aime bien faire des vidéos. Tout ce que tu arrives à mettre dans ce cercle, je te l'achète. Du coup, moi aussi, je vais jouer un peu à son jeu. Je vais mettre un texte juste là. Si tu restes 24 heures dans ce cercle, tu gagnes 1 million de V-Bucks. Comme ça, les clients qui voudront se faire des V-Bucks totalement gratuitement, il suffira juste de rester dans ce cercle 24 heures et ils gagneront ainsi 1 million de V-Bucks sur leur compte Fortnite. Mais j'ai envie de faire autre chose, les gars. Quelque chose pour gagner des V-Bucks beaucoup plus rapidement. Parce que attendre 24 heures pour gagner 1 million de V-Bucks, c'est bien, mais c'est quand même long, on va pas se mentir. J'ai envie de faire une pièce secrète, genre juste ici, avec au fond du couloir un distributeur de V-Bucks totalement gratuitement. Regardez, les gars, juste ici, hop, le petit distributeur de V-Bucks. Oh! Clairement, quand Nobo va voir ça, il va péter un câble. Eh oui, mon restaurant, il donne des V-Bucks totalement gratuitement. Hop, je vais mettre des V-Bucks ici, un peu partout, pour prouver que c'est vraiment bien une machine qui génère des V-Bucks totalement gratuitement. Voilà. Et bien sûr, comme c'est Mr Beast qui ralasse au début du restaurant, les gars, on va mettre un bouton pour soutenir un créateur. Et regardez, les gars, j'ai mis Mr Beast. Parce que oui, sinon, ça se fait pas. Mr Beast, il est tellement généreux. Honnêtement, au moins, on a le droit de le soutenir de cette façon-là. Les 30 minutes viennent tout juste d'être finies et Nobo est juste là. Tu vas pouvoir te retourner pour découvrir le restaurant que j'ai créé à 1 million d'euros. C'est parti, 3, 2, 1. Mais avant que tu te retournes, n'hésitez pas à vous abonner, tous ceux qui sont pas encore abonnés à ma chaîne YouTube. C'est très important et j'ai bientôt 3 millions d'abonnés. Nobo, est-ce que t'es abonné à ma chaîne YouTube? Bien sûr que je suis abonné à ta chaîne YouTube, Jean-Fils. Merci beaucoup, c'est bon, tu peux te retourner. Let's go. Ça se voit qu'il y avait du budget dans ce restaurant, hein, clairement. Effectivement, merci Mr Beast qui a sponsorisé carrément cette vidéo, on peut le dire.
Non mais c'est incroyable. Attends, mais t'as vu toutes les constructions et tout. Mais attends, mais t'avais qui construisait pour toi? Mais attends, mais moi c'est beaucoup mieux que ça. Enfin, je suis pas sûr de ça. Toi, ta construction est mieux. On ira voir ça après. Alors je t'invite à rentrer à l'intérieur de mon magnifique restaurant de MrBeast. Attends, mais c'est quoi ce truc là en plein milieu là? C'est quoi ce truc inutile? C'est un bouton pour soutenir MrBeast. Active-le, mec. Mec, je refuse catégoriquement de l'activer. Il m'a donné qu'un euro pour faire mon restaurant. Bah allez, mais c'est bon, je veux pas. Non, mais vas-y, s'il te plaît. Active le bouton de code créateur MrBeast et après tu verras, il y a une petite récompense. Bon, tu m'as parlé de récompense tout de suite. Ça m'attire. Allez, soutenir MrBeast. Hop, voilà. Voilà, c'est parfait. Alors déjà, premièrement, comme tu peux remarquer, déjà, il y a beaucoup d'espace dans ce restaurant. Hein, il y a de la place. Je peux accueillir exactement 250 personnes. Waouh, attends, mais 250 personnes, mais c'est un truc de fou. C'est même plus un restaurant, c'est un hôtel-restaurant carrément. Alors regarde, la première activité juste ici, comme tu le sais, MrBeast, il est très généreux. Il y a déjà un client qui est en train de faire le challenge. Ici, c'est un cercle rouge. Si tu restes à l'intérieur pendant 24 heures, tu gagnes 1 million de V-Bucks sur ton compte Fortnite, mec. Bah écoute, à demain. Quoi, tu vas rester là, t'es sérieux? C'est bon, je reste ici, je calme, c'est bon, allez hop. Non, si tu veux, il y a code de la map juste dessus si tu veux essayer, mais clairement, là, je vais te présenter le reste du restaurant. Alors, regarde, bien sûr, la base, comme je te l'ai déjà dit, ce restaurant est entièrement gratuit. Tous les burgers sont servis ici. Regarde, on a les deux serveurs juste ici qui t'offrent des burgers totalement gratuits. Attends, je vais appeler directement mon restaurant. Oui, les gars, du coup, vous pouvez venir chercher directement les hamburgers chez Jean-Fils, comme ça, on les ramène chez nous. Oui, mec, t'as entendu, mec, tu fais pas ça, par contre, tu voles pas mes burgers, mec. C'est gratuit, donc j'ai entièrement le droit de les prendre. Ouais, franchement, ça se fait pas ce que tu fais, mais bref. Regarde ici, hein, le grand espace avec le maximum de tables. Et juste ici, l'espace vert, je l'appelle ça comme ça. C'est pour les personnes qui ont envie de prendre l'air juste là. Il y a une cabane pour les enfants. Il y a déjà un enfant qui est resté coincé, effectivement. Ah, bah c'est super. Eh ben, je fais partie des enfants restés coincés, je pense. Ah, t'es coincé? Je fais partie des enfants, effectivement. Ok, non, bah, je vais te montrer la suite de mon restaurant. On va monter à l'étage. Regarde-moi ces magnifiques escaliers. Est-ce que tu veux dire d'abord coucou à ma cousine? Non, reviens. Non, c'est pas propre ce que tu fais. C'est mal propre, hein. Carrément. Ouais, t'en profites en fait. Comme je suis un concurrent de ton restaurant, t'en profites pour tout saccager en fait, si je comprends bien. Mais bien sûr, moi j'élimine, voire piétine la concurrence, ça je te le dis clairement. Alors, Nobor, regarde, il y a une porte juste là. À ton avis, qu'est-ce qui se cache derrière cette porte? Moi j'irai au dromadaire. C'est faux, Nobor. Est-ce que tu me crois si je te dis que MrBeast a installé un générateur de V-Bucks totalement gratuitement, mec? Mec, je n'y crois absolument pas, je n'y crois pas une seule seconde, mec. Vas-y, mais je t'invite à ouvrir la porte. Et attention. Okay, qu'est-ce qui se passe? Oh! Mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ce sort de queue? Je t'avais dit quoi, Nobo? Est-ce que t'as envie de gagner des V-Bucks totalement gratuitement? Il suffit juste d'utiliser la machine juste là, mec. Attends, j'utilise directement. Gros! Mais j'ai des V-Bucks! Ben oui, mec, ça marche! C'est MrBeast qui ralasse, mec. Mais gros, c'est bon, j'en prends encore, allez, c'est bon. Nobo, viens, il faut que je te montre la suite, mec. Je peux pas prendre la machine avec moi. Oui, mais tu ferais ça après, mec. C'est bon, là, je dois continuer à te présenter la fin de mon restaurant. Pour l'appel, je reviendrai sur la map reprendre des V-Bucks, ça, je te dis clairement. Hein. Comme tu veux, mec. Alors, juste ici, le rooftop avec le magnifique terrasse avec... Oh non, il y a des ballons qui se sont échappés. Oh, rattrape-les. oh, vite, hop, ok. Avec encore de la place un peu partout sous cette magnifique vue sur le lac juste là, mec. Si c'est pas incroyable. J'ai une question à te poser, mec. Pourquoi t'as une poubelle sur ton toit? Comment ça? Mais là-bas au-dessus, il y a une poubelle sur ton toit. C'est quoi ça? Qui a mis une poubelle sur mon toit? Non, me dis pas que c'est toi. Tu risques de comprendre très très vite qu'est-ce qui se passe. Oh non, mais c'est pas possible. Bon, allez, maintenant il est temps de passer à la construction, le restaurant de Nobo. Attention, est-ce que le restaurant à 1 euro de MrBeast vaut donc le coup d'être visité? On va voir ça tout de suite. Je me dirige et... C'est quoi ça, mec? Oh, mais attends, mais c'est un super restaurant à 1€, mais t'es sérieux ou quoi? Attends, mais t'es en train de me critiquer, là, c'est bien ça que t'es en train de faire? Mais mec, comment ça se fait qu'il y a une centrale juste à côté de ton restaurant, mec? Alors, laisse-moi t'expliquer l'histoire de mon petit restaurant. Déjà, j'ai trop hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Déjà, regarde, ici, c'est le restaurant de MrBeast. MrBeast? Mais t'es sérieux, mec? Oh, mec, franchement, c'est incroyable. Et t'as un tueur, mec. Regardez comme il est gris, MrBeast. Un maximum de pouces bleus en dessous de ces vidéos, les gars, rien que pour ça, c'est incroyable. Et franchement, Nobo, bien joué, tu me fais rire. Ok, donc voilà, donc ici, alors, je t'explique un petit peu tout ce qui se passe. Alors ici, on a un réacteur. On a un réacteur parce qu'en fait, à savoir que notre boisson principale est le jus de poubelle. Ah oui, d'accord, ok. Voilà, et tout simplement, lorsque on a récupéré notre jus de poubelle, on envoie les poubelles vers le haut, et en fait, elles se retrouvent un petit peu partout. D'où la raison pour laquelle t'avais une poubelle sur ton restaurant. Gros, mais je vais péter un câble. Comment ça se fait que tu t'es installé à côté de moi? Clairement, mes clients, ils vont fuir à cause de toi, mec.
steaks. Mais n'importe quoi, regarde, donc ici on a notre chef qui coupe l'ail et les oignons, juste ici. Ah oui, d'accord, voilà, là, ça c'est le chef. Voilà, c'est ça. Et au-dessus, on a tout simplement notre réserve à poubelle, parce qu'on ne savait pas où mettre les déchets, donc on les a tapés ici au-dessus. Oh non, mais c'est pas possible, monsieur Tomate. Mais attends, mais comment ça se fait qu'il y a de la moisissure? Ouais, attends, me dis pas que c'est ça que tu vends. Tu vends quand même pas des Mr. Beast Burger pourri, moisi. Eh ben si, mais je vais carrément dans les vrais restaurants de Mr Beast, et alors là je les récupère et du coup je les revends ici. Non mais non, mais mec, j'ai peur de rentrer à l'intérieur de ton restaurant, honnêtement. Mais t'inquiète gros, tu vas être étonné. Bon, je t'explique juste un peu la terre, tout ça, c'est parce qu'on a pas eu, on a pas su payer le chantier. Donc en fait il a pris sa grille, il a déposé la terre partout et puis il a fini par brûler ma voiture. Ah ouais, ça peut se comprendre, avec un euro je peux comprendre. Et comme tu peux le voir, mais les clients aussi ont perdu leur voiture dans cette histoire. Bon, c'est un peu compliqué. Voilà, bon alors vas-y, rentre par ici, je t'explique mon petit restaurant. Comment ça fait que ça sent le poisson pourri, l'œuf pourri? Mais c'est quoi ça, mec? Mais gros, mais viens voir. Alors ici, tout simplement, on a fait des hamburgers de bœuf. Donc ici, on a laissé les carcasses de bœuf ici pour montrer que c'était bien des bœufs qu'on utilisait. Oh non, clairement c'est horrible ce que t'es en train de me montrer. Ayez un peu d'hygiène, s'il vous plaît, regardez-moi toutes ces poubelles. Mais gros, c'est la cuisine, regarde. Et tu viens ici, tu peux choisir ton menu à tout moment. Et c'est pas tout, ici on a nos réserves. Et en fait, on a dû prendre un gardien parce qu'on avait peur d'avoir des vols. Et on a Dromadus qui vient tout simplement garder nos conserves. Coucou Dromadus, ça va ou quoi? Ah, ouais, d'accord les gars, Dromadus a dit de mettre un pouce bleu en dessous de cette vidéo. Je compte sur vous. Non, bon, il faut mettre combien de pouces bleus honnêtement? Moi je dis qu'il faut 87 000 pouces bleus sous cette vidéo, très important. Je sais que vous en êtes capable. Allez, la suite. Alors la suite, on a tout simplement décidé de mettre des canapés pourris avec des ballots de paille pour manger, pour rappeler le bœuf. Attends, mais que fait un alien juste là? Mais je l'avais pas vu en rentrant. C'est tout simplement un ami de la famille. Donc on a décidé de le mettre là parce qu'il savait pas où aller. Et alors du coup on a la truite parce que, en fait je t'explique, parce que tout va se relier. Regarde, en fait on a mis des truites dans le sens où ce que notre burger favori est la truite. Et celui qui arrive à terminer tout simplement l'hamburger énormissime qui est de 27 kilos de truite, il repart avec un œuf de dragon qui est juste ici. Ok, donc ça c'est le challenge Mr Beast à 1€ quoi, si je comprends bien. Voilà, c'est exactement ça, mais c'est quand même un œuf de dragon et c'est pas tout ça. Je n'ai pas fini avec toutes mes surprises. En fait, on a décidé de tout simplement avoir un endroit très familial. Donc quand quelqu'un va aux chiottes, et ben tout le monde le voit et tout le monde l'applaudit lorsqu'il a terminé sa commission. Clairement, c'est affreux, mec. Je fouille ton restaurant et il est carrément horrible. Ne rentrez jamais, les gars, dans un restaurant de Mr Beast à 1€. C'est la fin de cette vidéo, clairement. Le restaurant à 1 million d'euros de Mr Beast est carrément mieux que celui à 1€. Tu peux cliquer juste là pour voir une autre vidéo juste ici si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube et pour la page 1 million, c'est la prochaine. Tchuss.